Je m'appelle Lucas, j'ai 21 ans, je suis étudiant. De base, je suis de gauche, comme toutes les personnes de l'Alma. Je me suis mis à être de droite récemment. Alors, pas pour des raisons politiques. Comment tu t'appelles ? Dimitri, t'es de droite ? Dimitri ? Dimitri, j'ai une tête droite, il a fait « Zemmour, ça compte ouais. » Bref, du coup, moi, je suis de droite pour des raisons monétaires. Parce que, en fait, on m'a toujours dit, pour être beau, faut penser que t'es beau et agir comme si t'étais beau. Dans le doute, j'ai essayé avec l'argent, en fait. Parce que la pauvreté, j'ai essayé. Et, comment dire ? Non, ça l'a pas fait. Pourtant, j'ai persévéré. Hein, 18 ans, j'étais à fond dans la pauvreté. Et j'ai pas la vibes. Je sais pas, j'ai pas accroché au délire. Non. Et du coup, j'ai dit, bon, ok, maintenant tu vas être riche. Et j'ai dû abandonner certaines choses. Typiquement, t'es là, tu te balades avec tes amis sur une ville portuaire. Et il y a les bateaux, les gros bateaux, les yachts. Et un pote à toi te dit, viens, on va regarder les yachts. Puis vous y allez entre pauvres. Et ton pote te dit, toi tu prendrais lequel ? Et toi tu lui réponds, normal. T'es au SMIC, mais tu lui fais, ouais, lui là-bas de 105 mètres ? Ouais. Alors, il a le même nom que mon ex, du coup moyen, plus celui-là, tu négocies le bateau. T'as même pas le quart du prix, mais tu le négocies. Et ça, je peux plus le faire. Parce que moi, si j'y vais, je peux pas dire, ouais, tu prendrais lequel ? Je veux dire, tu prends lequel ? Et comme je suis au SMIC, je peux pas. Et un premier point. Et une deuxième chose, je me suis dit, ok, il faut avoir aussi des habitudes. Tu peux pas uniquement faire des activités. Les habitudes, c'est... Je me suis dit, ok... Le cours de la bourse sur le téléphone. Et quand tu te lèves le matin, que tu dis à ta femme, chérie, est-ce que tu savais que le Dow Jones a pris 5% ce matin ? On se trompe pas sur ta catégorie sociale. On sait que tu viens pas à l'Alma Bar, que tu fumes pas des roulés. Hein ? C'est plutôt classé. Il y a des fans de roulés là-bas. Et du coup, moi, je me suis dit, je vais essayer de faire pareil. Bon, déjà, je mets des courbes sur mon téléphone, vertes, rouges, je comprends rien, mais ça fait riche. Et je me lève le matin et je dis à ma copine, chérie, est-ce que tu savais que le Kronenbourg a pris 5% cette nuit ? Et là, tout de suite, elle répond, parce que je lui dirais, chérie, tu savais que le CAC 40 a perdu 4% ? Elle me dit, c'est qui ? Donc, forcément, ça ne matche pas. Et go. Non, je suis très contente d'être ici. Enfin, on est sorti de cette épidémie. Hein. Pour le coup, c'est vrai que maintenant, tout le monde sort. Hein. Au bar, au resto, à l'Alma Bar, voir des meufs chelous parler de leur vie privée sur des tréteaux en bois. On n'a pas tous la même définition de la scène. Hein. Alors, non, je rigole. Je m'appelle Fanny et franchement, je préfère qu'on m'appelle Fanfan. Parce que déjà de 1, en Australie, ma correspondante m'a dit... Je pense que... ils m'ont déjà grillé, tu sais. Je connais la blague. Je sais ce qu'elle va dire. Parce qu'elle m'a dit, Fanny, tu sais qu'en anglais, ton prénom veut dire petit génital de la femme. Super. Mon prénom veut dire chatte. Oui, pas vraiment comme ça en Australie. Hein. Oui, mon prénom veut vraiment dire chatte. Et je l'apprends par une Australienne. Génial. Pareil, je vais en Espagne. Il y a un mec qui m'a balancé. Il fait, oh, oh, ouh, pardon. Il y a la végétation. Il fait, hey, comment te llama, hey? Oui, il parle aussi comme ça en Espagne. Hola, bellissima, comment te llama? Fanny. Oh, it's just like funny, you know? Très drôle. Alors, les gens qui font des blagues avec les prénoms, il faut arrêter. Hein. Ça fait rire que vous. Hein. Non, mais vraiment, tu vois. Je me dis, ça, c'est comme les prénoms sur les cartes d'identité. Alors, moi, mes parents, ils ont fait simple. Ils ont fait très, très simple. On ne peut pas faire plus simple. Ils ont mis Fanny, Didier, Anne. Mon père s'appelle Didier, ma mère s'appelle Anne. T'sais. Non, en fait, ils ont fait ça, mais pour mes soeurs et moi, tu vois. Ils ont mis Fanny, Didier, Anne. Après, ils ont mis Elena, Didier, Anne. Et la dernière, ils se sont dit Aline, Didier, Anne. J'aurais dit, mais c'est quoi, c'est un délire égocentrique, leur sens de l'humour. Non, mais peut-être, tu vois. Donc j'ai appelé ma mère, elle m'a dit, non, c'est parce que ton père voulait que son nom soit gravé dans les mémoires. Je sais pas, alors maman, elle peut le graver sur sa pierre tombale.
Mais pas sur ma carte d'identité, quoi, tu vois. Kiff aussi, j'ai pas de transition. Je kiffe, c'est tout, voilà. Je le dis. Moi, ce que je kiffe, ici, vous devez en avoir les commentaires sur Google Maps. Hein ? Hein ? C'est magique, ça ? Non, mais sérieux, moi, je regarde des trucs. Alors, il y en a qui laissent des commentaires sur Google Maps ? On est d'accord, c'est un truc de lâche, ça. Je déconne, mon pote. En plus, tu sais, tout à l'heure, je l'ai vu passer la tête, il avait son carré mi-long, comme ça, il m'a fait très peur. Je vais aller m'asseoir là. Là, t'es avec tes potes, là. Non, ils te connaissent pas, en fait. Si, vous le connaissez ? Si. Ah ouais, bah enchanté, les gars. Ouais, c'est là, on voit que vous avez pas fait les travaux. Du coup, les gens, ils peuvent pas s'asseoir ensemble. Bon, bah, on va faire deux groupes. Ceux qui s'aiment bien et ceux qui s'aiment pas. Voilà. Non, mais parce que vous êtes des bons potes ou pas, à la base ? Oui, mais vous, vous préférez être ensemble. Vous avez quand même choisi de vous asseoir ensemble, on est d'accord ? Ouais, c'est ça, le mytho du plus de place. Oh, c'est con ! Oh bah non, dis-moi pas que c'est pas vrai. Alors je sais plus où j'en étais. Oui, les commentaires sur Google Maps. Voilà, non mais c'est un truc de fou les commentaires. Moi j'ai regardé un petit peu. J'ai vu un gars, il a évalué un lieu, c'est une histoire vraie. Il a mis une étoile. Il a mis « Je ne connais pas cet endroit ». Ah allez, vas-y, tu peux applaudir. Ne le laissez pas tout seul, il applaudit, on y va. Il a dit, je te jure, il a dit, je ne connais pas cet endroit, mais quand je suis venu, c'était fermé, donc je n'ai pas d'avis. Bah si, visiblement, t'as un avis, enfoiré. J'ai suivi le mec, il a évalué un camping. Il a mis 2 étoiles. Il a mis camping super, mais on a crevé sur le chemin du retour, ce qui a un peu gâché les vacances. Et tu sens le courage, c'est signé Jérôme 68. Le mec fait style, il donne son prénom, mais il met pas toutes les infos, tu vois. On entend les grillons. Voilà, moi non plus, hein, voilà. Mais après, j'étais déjà comme ça de base, donc pas trop de changements. Moi, perso, j'ai très bien gardé ma forme. Moi, ça va, super cardio. Et donc, effectivement, je me suis toujours représentée, tu sais, les gens qu'on voit toujours super sexy, des gens, on ne sait pas toujours s'ils vont avoir le confinement. Moi, je me projette surtout sur qui peut avoir vécu un confinement difficile. Je me dis les super-héros, tu vois, ils sont toujours sexy, baraque et tout. Et je m'imagine, moi, Catwoman en confinement. Tu sais, genre en mode, elle est entourée de pelotes de laine, elle est en pyjama. Tu vois, ça fait des mois qu'elle ne sait plus lécher le pelage. Elle est là, genre... Putain, avec Batman, on baisse plus. Oh, c'est chaud, putain. Non, mais moi, je veux bien, tu vois, genre, amener un petit peu de piment, amener les menottes du commissaire Gordon, les lunettes du commissaire Gordon, le commissaire Gordon, mais bon... Il y a un moment, là, bah, tout lui fait chier. Moi, je veux bien lui caresser la pointe des oreilles, lui mettre un petit doigt dans la batcave. Mais c'est emmerdant, quoi. Puis bon, il est toujours timide pour s'occuper de moi un petit peu, quoi. Je sais pas, je suis une chatte, quoi. C'est évident. Occupe-toi de moi. Voilà, alors la dernière fois, il a compris, tu vois. Alors, doucettement, alors que je m'attendais à grimper au rideau. Je raconte pas l'état des rideaux à la maison, vraiment. Je m'attendais à grimper au rideau tranquillement, tu vois, il descend tranquille. Et là, qu'est-ce qu'il me fait ? Je vous le mime. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Pop ! Pop ! Pop ! Pop ! Pop ! Batou, qu'est-ce que tu fais ? Bah, Katou, je suis une chauve-souris. Poup, poup, poup. Je me repère au sonar. Je cherche ton clito. D'accord. Ça t'aide si je siffle de la chatte ? Très compliqué en ce moment avec Batou, vraiment. C'est. Voilà. Enfin bon, je m'imagine ça. Effectivement, je me dis quoi ? C'était vraiment très bien, c'était très drôle. Et voilà, cette étape, on vous le recommande à tous, en tout cas. On a passé un moment au top, c'était vraiment bien sympa, belle énergie, merci aux artistes, trop cool.